Le monde n'est qu'une façade, qu'une illusion. En tout cas, ce que beaucoup de monde semble penser, et des auteurs de cinéma nous le rappellent régulièrement. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui est fasciné par la vérité qui pourrait se cacher derrière notre société et ce que nous pensons être le monde. Alex Proyas est un réalisateur d'origine australo-égyptienne qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 36 ans. Il est un de ces rares auteurs à s'être imposé comme un visionnaire dès son premier long métrage en imposant un graphisme et un esthétisme qui guidera beaucoup de metteurs en scène, même encore aujourd'hui, en plus que d'être un auteur qui regarde le monde avec cette idée de seconde lecture, cette fascination pour le fait que derrière les apparences se cache souvent une vérité qui dérange. Proyas, c'est ce mec qui nous rappelle que le monde cache toujours plus de secrets qu'il n'y paraît, c'est un auteur fasciné par notre société et par ses idéaux qu'il trouve conformistes. Alex Proyas, c'est un auteur qui regarde le cinéma de manière unique, comme un moyen d'expression graphique de nos fantasmes les plus oniriques. Au travers de son cinéma, Alex Proyas cherche à être le témoin d'un monde sur le point de s'effondrer, et en tout cas, sur le point d'être totalement remis en cause par un individu ou une situation. Ses films sont un regard noir et introspectif sur notre société, un regard qui peut longuement hanter après la vision de ses métrages, ce genre de regard qui fait la justesse et l'efficacité des films qui restent en tête, qu'ils soient bons ou mauvais, maladroits ou justes, intenses ou assez plats. Le cinéma de Proyas ne cherche pas à modifier le cours du temps, comme certains réalisateurs l'imaginent, mais plutôt, il cherche à imaginer la situation de notre monde face à des remises en cause extrêmes. L'homme face à l'inconnu, l'être humain face à sa condition, ou un héros face à une force surnaturelle qui le dépasse. Un peu à l'image de ses personnages, Proyas cherche à contrer ce qui n'est supposé être qu'un fait. Il cherche à montrer que même si tout nous indique que nous devrions nous confronter aux idéaux de notre monde, nous n'y sommes pas contraints. Un justicier revenu des enfers pour faire régner sa vengeance, un homme en quête de son passé et de son avenir, un groupe de musique aspirant à conquérir le monde malgré son statut, un flic refusant d'admettre que le monde va bien, et un homme cherchant à faire admettre à ses congénères l'arrivée de l'apocalypse, ces hommes sont liés par un combat contre les idées préconçues et l'enfermement sociétal. Le cinéma de Proyas semble divisé de plus en plus, mais cela, il le doit certainement à une quête de compréhension du monde qui nous dépasse peut-être un peu. En cherchant absolument à comprendre pourquoi nous refusons encore de nous soulever, Proyas finit peut-être par dégoûter les personnes qui le voudraient, mais qui n'y parviennent pas, tout simplement. Alex Proyas, c'est ce révolutionnaire cinématographique qui veut amener un peu de couleur dans notre monde, qui veut amener les spectateurs à se poser des questions fortes, là où la plupart des gens ne font finalement qu'admettre une vérité qui les dérange, mais avec laquelle ils vivent. En refusant cela, Proyas permet à son cinéma d'avoir un écho fort, un écho qui sonne comme un appel à l'aide, un appel à comprendre le monde, à comprendre ce que nous sommes, pourquoi nous devons nous dépasser, et pourquoi nous ne devons pas accepter notre situation comme une fatalité, mais bien comme une idée qui ne demande qu'à évoluer. Plonger dans la filmographie d'Alex Proyas, c'est chercher à découvrir le vrai sens de notre monde, cette dimension qui nous semble cachée et qui ne demande qu'à être dévoilée. Proyas divise de plus en plus au travers de son art. Et pourtant, malgré tout cela, il ne perd pas de vue cette idée que seuls nous avons le pouvoir de changer nos mondes et le monde.